Et salut à toutes et à tous, c'est Roger. Aujourd'hui on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, et c'est peut-être pour ça que vous êtes là, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du mode Unbelievable Shaders pour 1.7.2. Et oui, il est sorti sur 1.7, mais beaucoup de gens ne savent pas comment l'installer et ne le savent pas tout simplement. Donc j'ai trouvé ça par les vidéos en anglais. Un anglais qui a fait une vidéo 1.7 qui marchait, parce qu'il y en a beaucoup, ça ne marche pas. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Un anglais qui faisait une vidéo sur le shader mode pour 1.7 qui marchait. Donc j'essaierai de vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse de voir. C'est la vidéo que j'ai regardée qui m'a permis de vous faire cette vidéo en français. Donc aujourd'hui je vais vous montrer que ça marche, parce que c'est important. Et ensuite, secondement, vous montrer comment l'installer, ce qui peut pour vous surtout vous intéresser surtout. C'est un mode très simple à installer. Donc tout d'abord, vous pouvez voir que Minecraft 1.7, MCPL, machin, ils mettent que j'ai 3 modes load, et quand tu vas dans les 3 modes, il n'y a pas les shaders. Vous voyez, il y a même un mode de configuration, c'est la nouvelle version de Forge. Et on ne voit pas les shaders. Par contre, si on va dans Options, on a les shaders. Et j'utilise les shaders de la 1.6, attention. Donc ça, c'est le Ultra Shader Mod Pack Chocapic, je sais pas quoi, 1.6. Vous allez voir, si je crée une nouvelle map, ou même si je vais dans un biome Mesa, comme celui-ci qui est arrivé en 1.7, attendez, hop, vous voyez que nous avons les shaders sur un biome Mesa, et qu'il n'y a aucun problème de compatibilité. Alors, faut savoir que c'est encore qu'une bêta, hein, la bêta de Forge. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir encore quelques petits bugs de Forge. Mais vous pouvez voir qu'au moins pour les shaders, ça marche parfaitement. On a nos shaders de la 1.6 qui marchent sur la 1.7. Ça, je trouve ça extrêmement bien fait. Vous voyez que on a toute notre zone qui marche très très bien. Hein, toute notre biome Mesa ensoleillé joliment. On a toujours nos shaders, genre The Standard Pack qui marche. On a le Rudo Play, il marche aussi. Comme vous pouvez le voir là. J'ai vraiment testé, ils marchent tous, enfin tous ceux que j'ai là en tout cas marchent, que vous connaissez peut-être, marchent parfaitement. Donc, et nous sommes sur FF3 en 1.7, et de toute façon la preuve c'est qu'on est dans un biome Mesa. Si on n'était pas en 1.7, il n'y aurait pas de biome Mesa. Attendez, un petit freeze là. Hop. En gros, c'est surtout pour vous montrer que c'était fonctionnel et que c'était pas des conneries. Donc moi je vous propose de s'y retrouver tout de suite sur mon bureau pour l'installation du mode et vous montrer comment l'installer. Bien sûr, tous les liens de téléchargement seront dans la description. Allez, à tout de suite. Donc les amis, on se retrouve sur mon bureau. Donc ça, c'est à chaque fois que j'appuie sur F12. Alors on se retrouve bien sûr là tout d'abord pour la vidéo que j'ai regardée en anglais. En gros, le shader mode 1.7.2, 1.7.4. En gros, c'est la vidéo de l'anglais. Les deux liens de téléchargement qu'il y aura dans la description, c'est ceux-là. Donc, comme ça, au moins, je vais faire un petit clin d'œil. C'est sur cette vidéo-là que j'ai pu trouver comment faire. Après, je vais vous montrer en image parce que lui, il ne le montre pas en image. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Donc, vous allez avoir les deux liens de téléchargement. Je vais vous laisser télécharger ces deux choses. Hein, ça passe par du AdFly, ensuite par du Mega. Bon, c'est tout simple à télécharger, c'est légal, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de problème, c'est les téléchargements habituels de mode. Ensuite, vous allez vous retrouver avec, alors tout d'abord on peut supprimer ce mode là, on peut supprimer le dossier mode, par exemple, ou on peut même mettre foutre la merde dans notre machin, on va aller dans version, voir Forge, supprimer, tout ce qui est Forge on va le supprimer, voilà, je vous conseille, je vous donne comme idée, voilà, comme ça maintenant si on ouvre notre Minecraft. Ça c'est au cas où que vous avez déjà installé une ancienne version et qu'il y a des problèmes. C'est au cas où, hein, voilà, vous voyez que Forge 1.7, maintenant voilà, tout play, il n'y a plus le... Il marque Forge, mais c'est plus Forge en fait. Puisque si on fait play, ou alors il crash, ou alors il y aura un petit problème. Attendez, on va tester ça tout de suite. À mon avis, il va lancer le jeu tout simplement 1.7. Je sais pas si vous allez le voir. S'il se lance en plein écran, il va me faire chier. Attendez, on va voir. Minecraft 1.7.4, vous avez vu. Voilà. Et on a la 1.7.4 normal. Donc, alors, hop. Voilà, je vérifie que tout marche bien. Donc, on va installer tout de suite notre mode. Donc, vous allez avoir deux archives téléchargées précédemment qui vont être Shader Mode Core
Et Forge 1.7.2, 10.2, machin, bref, avec les numéros qui vont derrière. Tout d'abord, moi je vais mettre ça sur mon bureau pour qu'on s'y retrouve mieux. Alors, on va tout d'abord pour la première partie, c'est tout simple. On va lancer Forge 1.7.2, 10.1, donc vous double-cliquez dessus. Si vous l'avez en ouverture avec WinRAR, vous faites clic droit, ouvrir, Java, entre parenthèses, TM, plateforme, SE, binary. Voilà, vous double-cliquez. Ça va vous ouvrir un menu. Le mode System Installer, c'est les nouveaux trucs de Forge. Enfin, maintenant, ça date un peu, mais ça permet d'installer Forge automatiquement et sans avoir de problème. Donc, bien sûr, ici, vous avez la base racine de votre Minecraft. Vous laissez ça intact. Si c'est pas ça, bah, vous allez le faire mettre ça, sauf si vous avez changé de disque dur votre Minecraft. Ensuite, vous cliquez sur Install Client. Vous faites OK. Voilà, on attend. Et voilà, Successfully Install. En gros, il nous met que Forge a été installé avec succès. Ensuite, on fait OK. On va lancer une première fois notre Minecraft. Voilà. Voilà. Et là, normalement, il est censé vous déconnecter de Minecraft. Si vous faites play, en tout cas pour moi, ça marche. Mais avant, ça ne marchait pas. En gros, vous êtes obligé de vous reconnecter. Si en mettant play, ça ne marche pas, vous mettez votre pseudonyme, votre mot de passe. Ça va vous permettre de vous y connecter. Excusez-moi. Alors, ensuite, on se retrouve avec, vous voyez, Forge, Ready to Play 1.7.2-Forge 10. En gros, le Forge qu'on a installé. Si on fait Play, on va le lancer. Ça, attendez, on va attendre 2-3 secondes. Voilà, Minecraft 1.7.2. Ça tourne. Attendez, je vais vous le mettre en semi-écran pour que vous puissiez le voir. Je crois que ça fait écran noir, on va bien voir. Voilà, et vous voyez qu'on a 3 modes load. Voilà, ces trois modes-là. On n'a pas encore les shaders puisqu'on n'a pas encore mis le shader pack dans le mode pack en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus compliqué en fait. Il vous suffit juste de faire CTRL R. Enfin non, pas CTRL R, mais la touche Windows R. Ou alors vous allez là, clic droit, il y a exécuter. Si vous êtes en 1.7, des fois il n'y est pas. Donc, ou alors vous tapez dans la barre qui est ici. Moi, comme je suis sur un Windows 8, c'est encore plus compliqué. Donc, bref. Donc, vous faites Windows R. Ensuite, vous marquez pourcent APPDATA pourcent, hein, le truc habituel des mods. Vous faites OK. Ensuite, vous faites Minecraft. Vous allez normalement un mode, un dossier mode qui est apparu. C'est ce dossier ici. Ce dossier est censé être vide. On l'a supprimé précédemment. Et dedans, vous glissez votre shader mode core 1.7.2. Donc attendez, hop, que je trompe pas, hop, voilà, vous glissez et voilà. Et maintenant, normalement, vous avez installé avec succès Minecraft Shader. Hop, donc on va lancer. On va aller vérifier ça tout de suite. Hop, play. Donc j'espère qu'il n'y aura pas eu d'écran noir au moment de lancer Minecraft avant. Et attention, on va attendre 2 secondes. Et voilà. On a toujours 3 modes load, par contre on a les shaders d'installer. Alors pour les shaders que j'ai installés, je vous mettrai peut-être un lien de téléchargement, je uploaderai peut-être dans un dossier ces shaders là sur Mediafire, ou je vous mettrai peut-être un lien pour que vous ayez des shaders, mais je peux vous assurer que les shaders de 1.6 marchent sur 1.7, en tout cas moi ça n'a pas changé de la pile à 1.6, et ça marche avec succès si on va vérifier dans notre biome, mais ça, attention, on le lance, et voilà, et vous voyez que on a shader, le ultra, voilà, qui est toujours ici, toujours présent, toujours là. Et on voit notre, attendez, slash time 7.0. Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas été dans le bon. Enfin, là, vous voyez que c'est pas comme avant. Voilà, là, on voit notre ombre. Ah oui, mais c'est parce qu'il pleut. Lol, je suis en train de me dire, mais c'est pas un peu sombre là. Attendez, hop, là je suis non-fall. Et maintenant on va voir le soleil revenir. Et voilà, vous voyez votre soleil qui revient, vos jolies ombres qui reviennent. Et voilà, normalement tout est bon et tout est bien correctement. Bref, j'espère que les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en passant à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à tester, normalement pour moi ça marche. S'il y a le moindre problème, mettez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à plus et bye bye pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous.